Et salut tout le monde, Cécile Noir, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comment dire, je dirais étonnante. C'est, voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu sur YouTube, en vidéo, raconté non plus, mais bon ça a dû arriver je pense déjà, mais voilà, mais filmé, j'ai pas le souvenir. En fait voilà, pour la petite histoire, dans la nuit, vers 4h du matin, je me suis levé pour aller boire un verre de lait, et puis je regarde mes fourmis, comme par habitude. Puis je vois des fourmis qui baladent. Alors ça m'étonne pas plus, parfois il y en a qui se baladent un peu sur la table de mes fourmis, parce que voilà, comme j'ai une Cnidodontalacius qui n'a plus de reine, les ouvrières bon voilà, ont tendance à forcer l'anti-évasion pour se balader, comme le font mes Lacius et Marginatus qui n'ont plus de reine non plus. Voilà, elles ont tendance un peu à vouloir sortir du nid absolument. Donc bon, au début je me suis pas inquiété. Et puis je remarque quand même qu'elles faisaient un trajet assez organisé. Et puis surtout, en regardant dans le burama où normalement il n'y a plus de reine Cnidodontalacius depuis longtemps, je vois des œufs, donc ce qui n'est pas normal du tout. Et surtout, je regarde dans l'autre burama de la Cnidodontalacius, de la fondation Cnidodontalacius, où il y a toujours la reine. Et là, par contre, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien, à part la reine et quelques ouvrières. Et donc là, je commence à comprendre qu'en fait, oui, voilà, il y a une petite colonne de fourmis qui relie les deux bioramas. Donc ça c'est vraiment assez étonnant. Et donc voilà, ils ont récupéré, celles qui n'avaient plus de reine, ont récupéré les œufs, enfin le couvain de celles où il y avait la reine. Et maintenant, ben, il ne reste plus que le déménagement de la reine. Et puis en fait les deux colonies vont fusionner en une. C'est vraiment assez incroyable. Et donc j'ai filmé ça ensuite de nuit, parce que de jour ça désorganisait complètement la colonne de fourmis. Donc mon caméscope a la particularité, a la possibilité de pouvoir filmer de nuit en vision nocturne. Donc voilà, j'ai filmé ce déménagement en vision nocturne, et là on voit bien la petite colonne de fourmis qui réunit les deux bioramas. Et voilà, donc autant dire que je me suis couché tard du coup, puisque ça a pris quand même un certain temps. Parce que vous le verrez, la reine, ben, c'est pas évident pour elle de sortir d'un biorama déjà, et puis alors de rentrer dans l'autre, c'est pareil. Donc là on peut voir le couvain qui a été déplacé. Et donc voilà la colonne de fourmis qui remonte jusqu'au biorama. Donc je vais vous laisser regarder ce déménagement. Et puis voilà, on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Bon visionnage. Thank you.
Enfin arrivée à destination, hein. C'était une sacrée aventure pour elle. Et puis elle était un peu malmenée, mais bon, au final, voilà, tout va bien. Et donc on se retrouve avec une colonie, on va dire, reconstituée. Voilà, avec des ouvrières jaunes qui sont à elle, des ouvrières jaunes qui ne sont pas à elle, des esclaves qui sont à elle et des esclaves qui ne sont pas à elle. Et du couvain aussi mélangé, voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de rébellion contre la reine. Donc là, on peut voir encore qu'il y a des ouvrières qui vont encore d'un nid à l'autre. Donc je les ai laissées encore toute la nuit faire les allers-retours. Et puis le lendemain matin, il n'y avait plus personne dans le Biorama. À part quatre ouvrières jaunes qui n'ont pas suivi et du coup qui restent dans les galeries. Donc elles, je ne sais pas comment je vais faire pour les récupérer. En fait, il y en avait cinq et il y en a une que j'ai réussi à attraper dans l'aire de chasse. Je l'ai basculée dans l'autre nid. Et voilà, elle s'est faite inspecter par les autres ouvrières avant de pouvoir rentrer, puis après elle a pu rentrer sans problème. Alors, ma déception, c'est qu'elles ont choisi de s'installer évidemment dans le biorama rayé où on ne voit rien. Donc voilà, c'est étonnant d'ailleurs que ce soit les ouvrières sans reine qui soient allées chercher la reine, faire déménager tout le monde, au lieu plutôt d'elles s'installer là où il y avait la reine. Ça aurait été plus simple, je trouve. Et peut-être que les conditions étaient meilleures dans le biorama rayé. Donc voilà, peut-être une explication. Donc voilà, ce sera intéressant de voir comment va se passer cette cohabitation avec ce beau mélange. Voilà. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, parce que voilà, comme je disais au début, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo, bon élevage et ciao ciao!